Bonjour mesdames et messieurs. Je vous présente Lisa Pryor Lucy et Kev Facette qui vont parler aujourd'hui de la broderie Quentin sur les tissus artisanaux. Oh, it's us. Hello. I've just got a new book, and on the back of it, there's a picture of what we're going to talk about today, which is this wonderful stitching that it serves as a good way to quilt in a very inspirational way. Donc, bonjour. J'ai un nouveau livre qui vient d'être imprimé, publié, pardon. Et derrière, vous avez une photo de la broderie du point qui s'appelle Quanta, qui est aussi magnifique pour les matelassages des quilts. Et c'est très ce qui l'inspire beaucoup. The idea comes from these wonderful textiles, which this beautiful festival has a wonderful stand selling. These beautifully stitched pieces. What is it called? Cantha. Cantha. Cantha stitching. So that's where we got the idea. We just love the way that's done. Yeah. And I just bought this beautiful scarf, which just has these beautiful running stitches through it. And the color is a little bit deeper than the scarf, so that makes another layer of color. Alors donc, nous avons ici au salon un exposant juste derrière avec des tissus et des quilts Quentin, magnifiques. Encore une fois, l'inspiration de beaucoup de leur travail. Voici par exemple l'écharpe, et voici les deux exemples avec les points d'avant, avec des fils plus riches que les tissus de base qui rajoutent une autre dimension au travail. The piece that Liza's wearing is particularly interesting because when there's blue on blue, then it stays a very pungent blue. But when you put green on the blue, it changes that to another color and you make that wonderful design with the stitches. Alors, en prenant comme exemple la versatilité de ce point, si on regarde l'écharpe de Lisa, on voit par exemple des cercles avec un fil bleu sur le fond bleu, donc faisant que ce bleu soit encore plus riche. En revanche, si on utilise un fil vert sur le fond bleu, on change complètement la couleur de ces formes. And this is another example that I've used in my collection. This is a fabric I had made in India. And when we stitch that through with a kind of pastel color, it just adds a nice texture and so forth. And it's quick and easy to do. Et voici un autre exemple avec un coussin fait avec des tissus de la collection de Kef. Les tissus faits en Inde. Et avec le fil couleur pastel qu'il avait choisi, ça change encore une fois la texture en général du coussin. Et c'est vraiment un point très facile, c'est une touche très facile à rajouter à vos créations. It almost looks like a strawberry with little pips. Ça ressemble presque comme une fraise. So when Kaif and I started to work together doing patchwork, I machine sew, Kaif does not. And in the first applique pattern we did, which was rice bowls, I handed it to Kaif to hand sew because he loves to hand sew. And I said, oh, your stitches are kind of large. We call those toe catchers because when you get into bed, you catch the thread. And he said, if I'm going to sew the stitches, you're going to see the stitches. So on that principle, I made a Cantha style baby quilt. Now she has to translate this whole thing. So. Thank you. Thank you. Donc, quand Lisa avait commencé à travailler avec Kaf,
qui ne travaillent pas à la machine, qui travaillent exclusivement à la main. Il avait donné à Lisa une création pour faire de l'appliqué. Et elle a vu, en fait, ses points à la main. Et selon elle, il y a une expression en anglais, comme ils sont très grands, les points. Comment je vais expliquer cette expression en français? Je ne sais même pas. Toe catcher, est-ce qu'il y a quelqu'un? Yeah. Cache-orter. Non. Merci pour les traductions. Attrape orteil. And that is your French lesson for today. Oui. Et sa réponse était, si je vais coudre, je veux que les gens voient mes points. Et donc, Lisa a dessiné un quilt pour bébé, justement, basé sur ce concept-là, qu'on va bien voir les points et de la broderie qu'on a. Et voici le résultat du métissage. And by the way, this is just one single piece of fabric. That's one of my prints of overlapping stripes. Voilà, ce n'est pas des blocs piécés, c'est juste un morceau de tissu entier de sa collection. And on the back is another fabric from the artisan collection. Et voici un autre tissu de cette collection. This is woven in artisan. India. Woven in India. Mm. Fabriqué en Inde. Tissé en Inde. And it's called blush ikat. Blush ikat? I-K-A-T. Blush ikat. Le nom blush ikat. I-K-U-T. And it's very silky. C'est comme de la soie. So for a baby, this is wonderful. Donc parfait pour un bébé. Inside is batting or wadding. Mm. Et donc à l'intérieur, deuxième couche, le molleton. But still very flexible. Mais qui reste très flexible, souple. And the binding is also from the artisan collection. It's a batik, designed by Kaif. Alors le biais est un tissu en batik. De la collection. Yes. Aussi de la collection de Kaif. Right. So, to do this. Alors, elle va nous montrer comment faire. I use number 24 chenille needle. Donc, numéro 24, l'aiguille chenille. Number 8, pearl cotton. Numéro 8, la marque perle en coton. And because this is such a low sweave, it goes in and out very easily. Alors, the backing is a loose weave. Open weave. Comme c'est tissé plus ouvert, l'aiguille passe facilement. So, I wanted to make a scarf, so I left batting out. There's just two layers. Ok, donc l'exemple qu'elle nous montre maintenant, c'est une écharpe sans molleton, juste deux couches. The back is another ikat. Alors là, encore un autre tissu ikat. The front is scraps of prints. Et alors, devant, ce sont des chutes de sa collection. And I used fabric glue to place the circles. Alors, et pour bâtir, elle utilise un col de tissu. You could baste it or instead if you prefer. Oui, si vous préférez, vous pouvez bâtir avec des points. So I'm making very primitive stitches. Des points très primitifs. I'm leaving the tails on top for another little bit of interest. Ah, d'accord. You do that expressly? Yeah. Et donc elle laisse les fils. Elle le fait exprès. And I go any way I want to go. This is sometimes a circle, sometimes straight across. So it's like improv freehand. Improv. Et donc voilà, tous ces points sont faits, c'est de l'improvisation tout le temps. Elle ne suit pas des lignes prédessinées ni rien. Yeah. So, the stitching goes like this. Et donc voici, vous voyez... Can you see? Les points? Ok. Voilà. So,
Et voilà. Just in and out, wherever I feel like going. Take about 4 or 5 stitches at a time. This is very advanced. C'est très avancé. Only for comme experienced technique. People. So, do we have any questions from the audience on how to do primitive Kantha style embroidery? Or anything else you want to know? Voilà, avez-vous des questions ou bien à propos de ce style Kantha de Lisa ou si vous avez d'autres questions à leur poser? Maybe you want to ask who we are. It's a very serious audience. Je voulais juste savoir si il ne montait pas tout ça sur des métiers pour la régularité. Il travaille toujours à main levée comme ça. C'est des qui Lisa. Ouais. Si elle travaille toujours à la main comme ça. Ouais. À main levée, sans métier. Sans le cadre. Ah d'accord. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Oui, oh. Oui. Your little mouse. Okay. Sweet. Okay. So okay. She wanted to know, Liza, do you always just work like that freehand, or do you actually ever use like a hoop, like a frame or a hoop or anything, or to kind of hold it in place? I don't enjoy using hoops. Sometimes I will for if I want to be more precise. D'accord. Donc, elle préfère pas en fait. Elle le fait de temps en temps, mais pas de préférence, elle préfère comme ça à main levée. Pour l'assemblage? Oui? Non, comme ça, tout le public. Ah oui, donc on me répond qu'elle colle les deux tissus ensemble. Et donc, moi, mon idée, c'est pour que ce soit bien en phase et pas décalé. C'est pour ça que le métier peut aider. C'est oui, oui, voilà. Oui. Non, mais c'est un peu le jazz, improvisation, si j'ai bien compris. Elle préfère comme ça. Ben, je vous en prie, d'autres questions? Hi. Hi. Have you decided where you're going to travel to next for your next collection? America. Yes. Can I translate that first? Oh, sure. Elle souhaiterait savoir leur prochain voyage ou la destination de leur prochain voyage. Et our next book is going to be based on antique American quilts from the American Museum in England, and we will photograph them around Liza's property in Pennsylvania, USA. The museum is in England, but you're going to. Yeah, the museum is in Bath, in England. Yeah. Okay. Donc le prochain projet livre se base sur les anciens quilts américains, mais ils vont y aller en Angleterre, le musée américain là-bas, et photographier les quilts chez Lisa aux États-Unis en Pennsylvania. Yeah. It's going to be fun. Of the quilts? Yeah. 1800s mostly. Juste pour info, pardon, j'ai un peu mal à la gorge, notamment les quilts du 19e siècle des États-Unis. We think that we're traditional quilt makers. We don't consider ourselves modern quilt makers. We like the traditions that have been come before. Absolutely. Café Lisa ne se considère pas comme des artistes modernes. Ils se considèrent plutôt en tant que comme d'artistes traditionnels. Et c'est l'ancien en fait qui les inspire. Would you like, Cave, tell them why doing things over and over anew from antiques is so important to you? This is important. The reason that I work from antique quilts is that there's such a beautiful established language of using very basic geometry, squares, triangles, circles, that I don't need to reinvent the wheel. We just put our fresh new fabrics into these beautiful arrangements from the past. Alors donc,
la raison pour laquelle il est passionné par les tout ce qui est ancien, c'est très simple. En fait, les formes, les règles, les motifs, les formes géométriques, tout est parfait. En fait, tout est très bien fait. Et il n'y a pas besoin de réinventer la roue. En fait, il utilise simplement ses tissus avec les couleurs et les motifs plutôt modernes, mais qu'il ensuite applique aux formes traditionnelles et anciennes. And from what I can see, the French have a very good respect for those beautiful past recipes as well. Et selon ces observations, ici en France, vous gardez beaucoup de respect justement pour ce qu'ils appellent ces recettes traditionnelles des quilts. How long have you been making quilts, and how long will you make quilts? Depuis combien de temps vous faites des quilts, et encore combien de temps vous allez faire des quilts? I've been making quilts for 25 years? About 25 years, and I think I'm going to go on for another 50 years. Donc. I don't know. Let's hope. Je vois bien que la plupart a compris, mais je vais les traduire quand même. Donc, ça fait 25 ans qu'ils fabriquent des quilts. Ils pensent continuer peut-être pendant 50 ans. When I first took up quilt making, I said to Cave, come make quilts with me. And he said, what's the point? Don't people just buy old clothing and cut it up and put it back together? And I said, you have no idea. Et Lisa, la première fois qu'elle en avait parlé avec Kaf, il faut vraiment que tu fasses des quilts avec moi, etc. Kaf, sa réponse était bah. Mais pourquoi? And I learned that it was a very beautiful language of collaging different patterns together through patchwork. I love it because it's so quick. Et donc après, il a appris que c'était pas juste une manière de découper des anciens vêtements et les recoudre ensemble. Sinon, c'était un art de collage qui est vraiment magnifique et qui est assez rapide aussi. D'autres questions? Non? Bon, en tout cas, si vous voulez, leur stand est juste derrière. Ils sont là jusqu'à dimanche. Donc, vous pouvez passer les voir quand vous voulez. Et je voudrais aussi donc remercier, thank you, Liza and Kath, thank for coming you. Again. Thank you. Merci thank beaucoup. Thank you very much. Thank all of you. Thank you. Thank you, France.